Alors, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur l'application Code Tatami. Je réponds au nom de Roger. En fait, dans ce tutoriel, nous allons tout juste continuer notre tutoriel que nous avons laissé, les JavaScript, la programmation JavaScript. Là, nous allons tout juste continuer avec les événements et aussi les string objects. Pour commencer, je vais tout juste vous intéresser un peu avec mon application. Cette application, je crois, ça pourrait vous être utile. Et si je pars ici, je mets par exemple https code tatami firebase.com. Maintenant, je me trouve sur l'application. Cette application, vous pouvez coder à distance entre développeurs en temps réel, c'est-à-dire partager des codes en temps réel. La personne peut vous corriger directement de bout en bout. Et si je suis ici, là c'est l'éditeur, vous pouvez tout juste mettre les codes ici. Je mets par exemple comme ça et vous pouvez écrire du code ici et voir les résultats de l'autre côté dans les navigateurs. Je peux faire les zooms de l'autre navigateur et je peux faire les zooms de mon éditeur. Et je peux mettre sur normal. Et je pars en bas ici. Là, c'est déjà l'invitation que je me suis envoyé avec mon deuxième compte pour coder à distance avec l'autre compte. Et si je suis ici, nous avons les codes en commun que j'ai à coder avec cette compte. Le code, ça se retrouve tout juste dans notre base. Ça se trouve dans la base des données. C'est-à-dire, ce code sera tout juste réservé dans la base des données. Et si, par exemple, je clique ici, je mets quelque chose ici et j'enregistre. Même je clique sur, ça sera tout juste là parce que ça. Et si j'ai rafraîchi la page comme ça, ce que je viens d'ajouter, ça va tout juste garder. Ça va être gardé de mon côté aussi, du côté de la personne où j'ai la personne qui m'a envoyé donc l'invitation. Là, nous sommes décodés, nous sommes en train de coder avec lui sur les mêmes projets. Maintenant, l'enregistrement ici, ça permet tout juste à faire que si vous enregistrez par exemple le code ici et que vous ne voulez pas que votre correspondant puisse le voir en direct, vous pouvez tout juste travailler de votre côté. Et si vous finissez de travailler de votre côté, vous enregistrez, c'est-à-dire l'application va envoyer ce code ici dans son éditeur à lui. Mais si vous voulez travailler dans un temps réel, c'est-à-dire la personne peut vous corriger en temps réel, vous êtes de ce côté. Si vous écrivez, lui il voit directement ce que vous êtes en train d'écrire, il peut vous corriger si vous faites l'erreur. Là, vous devez cliquer sur l'auto-enregistrement. Cet enregistrement vous permet aussi, même si vous quittez le navigateur brusquement, ça va être enregistré dans notre base de données. Et je retourne ici. Et je pars tout juste en haut et je retourne. L'autre chose, c'est que vous pouvez publier si vous êtes tout juste bloqué quelque part. Si vous êtes bloqué quelque part, vous pouvez publier ici. Par exemple, là, c'est une personne qui m'a envoyé, je crois, c'est quel jour? Je crois c'est aujourd'hui, qui m'a envoyé vers 0h, les bonsoir ici. Bon, il ne m'a pas envoyé, pardon, il a tout juste posté ça sur les messages publics, n'importe qui peut les voir. Il y a aussi d'autres personnes, par exemple Koulibaly, je ne sais pas si c'est de quel pays. Je dois aussi mettre les profils pour qu'un chacun puisse commencer à mettre sa provenance, où je peux détecter son pays, où il utilise son téléphone, ou la présence, donc de la géolocalisation. Ok, là, celui-ci m'a envoyé aussi sa lead. Donc, vous pouvez tout juste poster quelque chose. Il y aura tout juste la personne qui peut vous envoyer aussi des réponses à votre problème. Les messages privés sont tout juste là. Boîte SMS, si la personne ne veut pas tout juste vous écrire dans les messages publics, il peut toujours vous envoyer dans les messages privés. Code Dio, vous avez un live éditeur. Cet live éditeur, c'est toujours un éditeur vous permettant aussi
décoder en ligne. Il y a aussi d'autres choses ici, par exemple les cours qui se trouvent ici, mais les cours ne sont tout juste pas là à 100% disponibles. Par les HTML, il y a aussi quelques cours que je vais y mettre, des vidéos, les bots assistants, c'est l'assistance d'un robot assistant. Je n'ai pas encore aussi terminé ces projets. Ces projets sont en cours, mais les fonctionnalités de Ola vous est déjà disponible. On peut commencer. Maintenant, je me trouve ici. Je pars dans notre dossier, dossier ici. J'ouvre ce dossier avec Chrome, ou ce fichier avec Chrome plutôt. Ok, aujourd'hui, je vous ai dit que nous allons voir les événements. C'est quoi les événements? Les événements sont tout juste les actions qui peuvent être déclenchées s'il y a, par exemple, les clics sur un bouton, ou bien s'il y a les resizements de cette de Windows, ou bien s'il y a les unload, ou si, par exemple, si vous la page vient de se charger ou termine de se charger, qu'il puisse avoir l'événement qui peut se déclencher, ou bien si la personne passe au-dessus d'un élément, que l'événement puisse se déclencher, ou bien si le curseur est en train de bouger, l'événement. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent s'appliquer, ou les mouse down, les double click, si quelqu'un cliquait sur, double cliquait sur l'objet, il y a les keys, il y a plein des événements. Nous allons voir d'abord même 4 ou 3 événements pour vous faire voir comment est-ce que ça fonctionne. Le reste, je crois, on les verra plus tard. Là, j'entre maintenant ici. Premièrement, je pars ici pour mettre, par exemple, button. Le button, je peux mettre, par exemple, événement. Cet bouton événement, je pars ici. Nous avons ce bouton événement. Nous voulons tout juste ici. Pour le moment, si je clique sur le bouton, ça ne fait rien. Maintenant, nous voulons tout juste faire le endo. Donc, l'attacher un événement. Pour l'attacher, je peux par exemple appeler un événement qui s'appelle on click. Cet événement, c'est un événement objet qui peut être appliqué directement dans les balises HTML. On click, je peux dire par exemple alerte. Alerte, je peux dire par exemple bonjour. Bonjour. Après, je pars ici, je peux mettre comme ça, il n'y a pas de problème. Et si je rafraîchis ici, je clique ici, vous voyez bien, nous avons l'alerte qui nous dit bonjour, c'est-à-dire ça déclenche un événement si nous cliquons sur les boutons. Là, c'est notre premier événement qui s'appelle on click. Cet on click peut être tout juste remplacé aussi, ça c'est alerte fonction. Maintenant, nous pouvons par exemple aussi mettre je viens de supprimer plein de choses ici, hein. Je vais retourner les choses là. Événement, je crois. Ok, je devais mettre en majuscule. Bon, il n'y a pas de problème, même en minuscule. Maintenant, à l'intérieur ici, au lieu de faire alerte, on peut mettre directement nos fonctions que nous avons déclarées dans les tutos qui viennent de passer. Les fonctions, nous avons dit pour créer une fonction, on peut mettre directement une fonction à l'intérieur, ou on peut faire ce qu'on appelle le callback, appeler donc une fonction. Et nous l'appelons par exemple, nous appelons une fonction qui s'appelle événement. Et dans cette fonction événement, nous, j'avais dit pour appeler une fonction, nous mettons tout juste des parenthèses plutôt. Et j'enregistre ceci. Jusque là, il n'y a rien parce que nous n'avons pas encore défini notre fonction. Et pour définir notre fonction, nous allons tout juste aller ici et nous déclarons une fonction déclaration, et cette fonction déclaration peut être anonyme, tout juste comme pas anonyme. Cette fonction doit avoir un EV qui est notre événement. Maintenant, à l'intérieur ici, là c'est les commentaires de body générés par notre éditeur. Maintenant, à l'intérieur ici, nous pouvons dire alerte, ça passe. Maintenant, si je pars ici, j'enregistre ceci.
Vous voyez, et si je clique ici, vous voyez bien, ça passe. Maintenant, à ce niveau aussi, nous ne sommes toujours pas de mettre toujours alerte, alerte, alerte. Nous pouvons aussi manipuler certaines choses ici. Par exemple, les body ici. Et si j'ai donné, par exemple, les ID à cette body et j'ai dit body et j'ai enregistré ceci, je pars dans notre fonction ici. Et si je suis ici, j'ai créé par exemple une variable qui s'appelle B. Et cette variable doit avoir document.getElementById. document.getElementById. À l'intérieur ici, je peux mettre body qui est notre ID que nous avons attribué à notre body tag. Et j'enregistre ceci. J'ai fait tout juste comme ça. J'enregistre cela. Après avoir enregistré, ça ne fait tout juste rien. Maintenant, nous devons mettre la couleur à notre background avec la fonction. Je vais B body et je mets style. Après style, je mets CSS text. Ça permet tout juste d'intégrer le sexe. Ça, c'est le style qui a une méthode qui s'appelle CSS text. Là, on peut mettre maintenant nos CSS. Je peux mettre par exemple background color. Je peux mettre par exemple blue. Après, je ferme encore là-bas. Après avoir fermé, je clique ici. Et si je pars. Je pars maintenant dans les navigateurs voir comment est-ce que ça va réagir. Et si je clique ici, vous voyez bien, ça a changé le background en bleu. On peut mettre la couleur rouge, on peut mettre différentes couleurs. Là, c'était tout juste comment est-ce qu'on peut donc prendre une fonction et les mettre dans les balises pour l'appeler. Maintenant, nous laissons ces méthodes ici. Là, nous laissons ceci. J'efface tout juste ça. J'enregistre et je pars de ce côté ici et aussi j'efface ceci. J'enregistre. Maintenant, là, nous devons voir tout juste les méthodes qui n'est pas utilisable tout juste dans les balises directement. Par exemple, ID s'appelle événement ou ev. Et si j'enregistre, je pars de ce côté ici, je crée, je prends tout juste un. Je mets tout juste encore variable. Ça peut être par exemple B. Cette variable B qui va avoir comme référence au document. document.getElementById. Maintenant, les ID, je prends tout juste les ID ici qui est l'événement. Je viens ici, je fais événement. Je mets ça. Et quand je suis là, je viens d'avoir cet événement et je viens d'avoir ce bouton ici. Je mets tout juste bouton point B. Je peux mettre on click et je mets ça. Après on click, je mets ça. Maintenant là, on clique sur un objet qui se trouve sur Windows. Maintenant, de ce côté, je dois mettre une fonction. Là, je mets tout juste une fonction. Cette fonction peut être une fonction anonyme, une fonction qui n'a pas de nom, qui n'a même pas de paramètres ou des arguments. Je mets ici à l'intérieur. Maintenant, à l'intérieur, ici, je peux faire quoi? Je peux dire, je peux agrandir notre bouton ici. Pour donner la couleur à notre bouton. Pour donner la couleur à notre bouton, nous devons avoir son ID. ID bouton, ok. Comme nous avons B, je prends tout juste les mêmes B ici parce que c'est sa référence tout juste au bouton. Et je fais style.css text. Et je fais comme ça. À l'intérieur, je peux dire font size, je peux mettre par exemple 30 pixels. Je peux mettre 30 pixels. Après 30 pixels,
Je peux mettre par exemple Kala. Je peux mettre par exemple Brown. Non, Kala, je peux mettre par exemple White. White. Après White, je peux mettre par exemple Background. Background, je peux mettre background color, je peux mettre par exemple brown, brown, je peux mettre brown comme ça. Et si j'enregistre ceci, je pars de l'autre côté. Et si, oh, normalement, vous voyez bien comment est-ce que ça agrandit les boutons, mais si je clique là, ça c'est toujours agrandi. Donc si je rafraîchis, je clique, vous voyez bien, ça agrandit l'élément. Maintenant, pourquoi est-ce que ça agrandit toujours les boutons? Parce que je l'ai référencé lui-même. Et si c'est div id, de id là, je les référence tout juste à un élément p, j'ai dit agrandir, et je prends tout juste le id ici. Et je fais 4, je pars ici et je fais comme ça. Et je fais comme ça. Mais là-bas, ce sera comme problème parce que je dois laisser tout juste celui-ci comme c'était. Maintenant, celui-ci, je dois tout juste changer. Maintenant, par exemple, si je mets A ici, il sera tout juste référencé par A. Et si je pars ici, je dois maintenant mettre B. Ok, non, je dois aussi déclarer donc je dois copier ceci et venir quelque part ici et faire ça. Au lieu que je puisse, je dois référencer aussi une autre qui est les A, comme nous avons déclaré ici les A là. Et je les mets ici, et celui-ci peut être par exemple les C. Et pour les manipuler, je mets la variable. Donc, comme nous avons tout juste identifié son ID, là, je mets c.style pour les changer. Et si j'enregistre ceci, voyons est-ce que ça va fonctionner. Et si je clique sur agrandir, vous voyez bien, ça agrandit notre paragraphe. Là, c'était on clique, nous l'avons utilisé étant un objet. Ok, maintenant je pars encore en bas. Qu'est-ce que je vais faire encore? Là, nous allons voir les clics fonctions. Les clics fonctions, nous sommes tout juste ici. Et si par exemple, je pars ici, je crée deuxième bouton où je peux mettre par exemple. Ça peut être des boutons ou ça peut être des images, ça peut être n'importe quoi sur les éléments HTML. Je peux mettre par exemple toujours bouton clic. Ce bouton clic peut avoir tout juste ID de clic. Clic avec SK comme ça. Ok, maintenant après, je pars ici où je fais encore. Clic comme variable, je peux mettre variable clic, et ici je peux mettre par exemple document point get element, get element by id. À l'intérieur ici, je mets, c'est l'id, c'est quoi, c'est clic, hein? L'id c'est clic. Je mets clic comme ça. Je pars ici, je ferme. Là, nous avons tout juste pris. Maintenant, les clics ici, nous devons les manipuler maintenant comme nous avons notre référence. Mais pour le moment, nous utilisons un add event listener. Event listener, je crois c'est comme ça, listener. Ok, add event listener. Ok, maintenant comme nous avons mis add event listener, nous devons mettre tout juste notre objet event ou notre méthode event
au milieu de cette string ici, je mets clic qui est cet événement qui s'appelle clic. Après avoir mettre clic, on peut mettre directement la fonction. Par exemple, si je dis function à l'intérieur ici, je mets par exemple comme ça. Maintenant, oui, clic, je peux mettre comme ça. Maintenant, à l'intérieur, comme j'ai créé une fonction, je peux mettre par exemple alerte, boom. Ok, pas de problème. Là, je suis comme, je mets comme ça. Maintenant, pour bien que notre chose puisse bien marcher, il faut toujours terminer par false à la fin de ceci. Je crois quelque part là. Et troisième valeur qui est les falses. Je vous expliquerai c'est quoi les falses plus tard. Ok, là nous venons de faire ça. Vous voyez bien que nous avons tout juste notre clic. Nous avons donc référencé notre bouton clic. Après avoir référencé, donc là c'est cela ID qui est tout juste référencé ici. Et ça c'est notre qui contient tout juste l'adresse de notre bouton. Et nous voulons manipuler les add event listener. Ça permet d'ajouter un événement. Cet événement s'appelle clic. Dans cet événement, nous avons la deuxième paramètre. Comme c'est déjà une fonction, nous avons premier paramètre, deuxième paramètre qui a comme des arguments click et function. Maintenant, dans cette fonction, ça c'est une fonction anonyme qui n'a pas de nom. Nous la mettons tout juste directement comme un callback. Là, cette fonction doit faire une alerte boom. Ok, ça doit faire l'alerte boom. Oui, je crois ça. Et si j'enregistre ceci, je pars là. Si je clique sur clic, vous voyez, ça a provoqué le boom alerte qui vient de se déclencher. Maintenant, à partir d'ici, on peut toutefois mettre directement une fonction anonyme ou on peut tout juste enlever ceci. On peut tout juste enlever ceci. Je l'enlève et je l'enlève ici. Et quand j'enlève ça, je vais tout juste mettre maintenant le nom de l'événement, événement boom ou événement B. Maintenant, cet événement B sera tout juste. Et quand vous appelez une fonction étant un callback, vous ne les mettez pas avec les parenthèses. Là, si vous passez une fonction étant argument, là vous ne mettez pas les parenthèses. Il faut vraiment tenir compte de ça. Nous n'appelons pas tout juste cette fonction en mettant des parenthèses à la fin de notre mot. Là, je peux mettre événement boom. Et je dois définir bien sûr notre fonction. Cette fonction s'appelle événement boom. Je mets cette fonction comme ça. J'ai recopié tout juste ça. Je peux mettre ça. Fonction. Maintenant, comme c'était anonyme de l'autre côté, là nous mettons maintenant les noms. Événement B. Alerte boom. Et nous fermons ceci. Et si vous déclarez une fonction, vous n'êtes pas obligé de terminer avec les virgules. Les virgules se trouvent donc à l'intérieur. Et si je pars de ce côté ici, je rafraîchis et je clique ici. Vous voyez bien, ça renvoie encore le boom qui est notre événement qui est déclenché si nous appliquons les clics fonction. Après ça, nous pouvons encore voir toujours dans l'élément clic. Quoi encore? Dans l'élément clic, on peut toujours soit aussi faire enlever les add event listener. Je peux enlever cet événement si, par exemple, dans les programmes, je veux que, par exemple, si vous êtes en train de créer un jeu et que vous voulez désactiver une fonctionnalité sur les boutons, vous devez utiliser remove event listener. Maintenant, si pour faire les remove event listener, Je pars tout juste ici et je me référencie tout juste au bouton que nous voulons enlever l'event. Je mets clic point remove
remove here, remove event list listener. Ok, maintenant c'est le remove l'event listener. Premièrement, je mets tout juste c'est l'event, le nom de l'event c'est click, le nom de l'event c'est click. Après, je mets encore comme on avait fait et je mets encore false. Je crois que ça va fonctionner. Et si je viens comme ça, je rafraîchis. Si je clique, vous voyez bien que ça ne produit pas quelque chose parce que nous avons enlevé cet événement. Nous avons enlevé cet événement. Et si je pars ici, je fais, je commente ce code ici, l'événement doit encore retourner. Et si je fais comme ça, je pars, vous voyez bien l'événement retourne. Si je pars ici et j'enlève cet événement dans le flow du code, si je clique comme ça et je rafraîchis, je pars, vous voyez bien l'événement ne s'applique pas parce que nous avons enlevé cet événement. Et vous devez tenir compte, pour enlever l'événement, vous n'utilisez pas une fonction anonyme à l'intérieur ici. Vous utilisez tout juste une fonction callback, c'est-à-dire la fonction doit être définie en dehors de cette fonction addListener. Si vous mettez une fonction anonyme au milieu, ça ne doit pas s'exécuter. Et pour voir encore d'autres events, je peux m'arrêter avec quel événement. Je peux m'arrêter par exemple avec l'événement on clique. Et si je pars par exemple on clique, on le met où là? On clique. Ok, on clique, on peut tout juste aussi. Non, pas l'événement on clique. Je crois, onload, l'événement onload. Onload, par exemple, si je dis onload, onload events, je mets ça. C'est quoi onload? C'est cet event s'exécute si le document termine de se charger dans le navigateur. Là, je suis à l'intérieur. Maintenant, on load et je dis alerte. Alerte. Bonjour. Alerte, bonjour. Maintenant, on ne doit pas tout juste mettre ces deux guillemets encore. Si on utilise encore à l'extérieur les deux guillemets, on doit mettre comme ça. Il y a c'est onload bonjour. Et si je fais comme ça, cet événement, mais normalement je ne devais pas le mettre ici, je devais le mettre dans le body parce que cet événement ne s'adresse pas tout juste au bouton. Cet événement doit être enlevé ici parce que c'est le body qui doit être load, qui doit être chargé. Et si je retourne ici et je pars ici, je fais comme ça. Alerte, bonjour, et si je dois terminer par ça, j'enregistre, et si je fais comme ça, vous voyez bien que ça donne bonjour. Pourquoi est-ce que ça donne rapidement bonjour? Parce qu'il n'y a pas trop de contenu, c'est pourquoi ça load rapidement et ça donne les résultats aussi rapidement. Si c'était des documents qui peuvent venir de loin, ça va aussi prendre un tout petit peu le temps. Vous avez les unload, vous avez aussi les... Les unload et les unload. Nous avons les unload et aussi les unload. C'est-à-dire le document n'est toujours pas fini de s'exécuter. Donc je crois unload. J'ai un peu oublié la syntaxe de onload, c'est toujours comme ça. Ok, je dois toujours se regarder comment. Je crois que c'est toujours comme ça. Maintenant, je peux on unload. Je crois que c'est ça. On unload. Bon, je vais d'abord essayer.
Je dois regarder comment est-ce que ça s'écrit. On unload. OK. On peut passer à autre chose avant de voir cet événement. J'oublie un peu la syntaxe. Ou bien si ça ne fonctionne pas, ça peut être le problème tout juste des navigateurs. Je ne sais pas. Ça va continuer tout juste avec d'autres choses. Là, nous avons tout juste à voir ces événements ici. Dans les tutos qui vont venir dans les JavaScript avancés, nous allons voir d'autres événements beaucoup plus avancés. Là, je peux passer encore à quoi? À notre objet string objet. Je pars tout juste dans cette liste pour me référencer de ce que je suis en train de parler parce que les flows, là on avait vu l'enseignement, les data types, les fonctions, les objets, les événements. Là nous sommes ici les événements, nous allons voir tout juste les strings. Et quand je pars ici, je peux tout juste... Pour ne pas tout juste encombrer les choses, j'efface tout juste tout ça. Et j'enregistre et je pars encore ici. Ok, là c'est déjà effacé. Et les body, je dois fermer les body ici. Ok. Après, nous devons voir maintenant les strings. Nous, je vous ai dit, on peut mettre par exemple let nom égale Roger Banze Mwamba. Ok, Roger Banze Mwamba est tout juste notre string que nous avons là. Maintenant, là, c'est notre string. Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire avec les strings. On peut connaître la taille du string. Pour connaître la taille du string, nous allons tout juste... Je peux mettre tout juste avec notre méthode alerte. Alerte, et nous disons par exemple la taille du string, je peux mettre par exemple alerte nom.length. Nom.length, je crois c'est comme ça. Length. Nom.length. Bon, admettons, je vais tout juste regarder bien les syntaxes. Detail. Undefined. Undefined, pourquoi? Je crois que j'ai mal écrit les length. Et si je fais comme ça. J'avais mal écrit. Là, nous avons 18 qui vient de sortir. La taille de 18, ça compte tout juste à partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et 18. Parce que la programmation, nous commençons à compter à partir de 0. Et si nous avons ça, c'est-à-dire nous avons la taille, cette string a tout juste la taille de 18 caractères ou des 18 caractères, parce que les blancs aussi sont comptés. Les blancs ici qui se trouvent ici en programmation, ça se compte. C'est déjà un caractère, je ne sais pas. Ok, là c'était la taille. On peut aussi accéder tout juste à notre string. Par exemple, si je vais prendre donc un élément, par exemple, qui se trouve, je peux dire un élément qui se trouve à la position 5 et j'enregistre ceci. Si je pars ici, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Alerte nom.5. Normalement, on peut accéder à un objet avec ce genre d'annotation. Peut-être ça ne fonctionne pas dans les... Essayons d'abord de faire ça. Alert.string et faisons ça. Mettons ça dans une variable et mettre ces variables comme B. Et venons ici et mettre B ceci. Parce qu'un string peut... j'ai oublié, je ne devais pas mettre les virgules là qui se trouvent là. C'est pourquoi ça a provoqué ça. Parce que nous n'accédons pas tout juste comme un objet. Nous accédons tout juste à ça comme quoi?
Ça, cette page indique, ça n'indique rien. Pourquoi est-ce que ça n'indique rien? Et ça n'indique rien parce que dans la cinquième position, il y a tout juste vide. C'est pourquoi ça n'a pas indiqué quelque chose. Je peux mettre par exemple les 6 pour avoir les B, je crois. J'aurai les B. Yeah, nous avons les B qui vient d'être. Donc, je peux accéder à toutes les lettres de cette chaîne de caractères. Après, je peux faire quoi? Je me référencie tout juste à ça. Nous sommes tout juste dans les strings. On peut voir maintenant les string méthodes. Les string méthodes sont tout juste les méthodes qui peuvent s'appliquer sur les string objets. Et pour commencer, les string méthodes, je peux par exemple effacer ça. Si je vais tout juste... Je peux commencer avec quelle méthode par là. Je peux commencer avec une méthode, par exemple, substring ou bien indexOf. Avant de commencer avec ces méthodes, je peux tout juste dire string.slice, slice méthode, slice, string.slice. Je peux mettre nom.slice. Je peux partant de 2 à 6. Et cette valeur peut être tout juste affectée dans la variable. Par exemple, je peux mettre let. Cette variable peut être tout juste variable n. Donc, les slice méthodes permettent tout juste de prendre à partir du 10e caractère. J'étais 0, 1, 2. Allant jusqu'à 6, ça va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, quelque part ici. Ça va retourner cette chaîne de caractères. Et si j'ai les n ici, et si je pars dans notre méthode, je peux par exemple dire console.log, ou pour que nous puissions voir dans notre document, je peux mettre tout juste alerte qui est rapide là. Là, je peux mettre alerte et je mets les n. Et j'enregistre cela. Vous voyez bien, nous avons ger qui est tout juste les éléments qui se trouvent entre 2 et 6. Donc, c'est qui se trouve tout juste au milieu. Et comme nous avons beaucoup de vides, c'est pourquoi ça a pris tout juste ger. Parce qu'au début ici, il y a aussi des vides qui sont comptés. Je peux mettre par exemple 10. Vous voyez bien, ça prend tout juste en compte à partir de Roger jusqu'au 10e élément. Ok, là c'était les slice méthode. On peut par exemple aussi mettre par exemple la méthode comme replace. Cette méthode permet de remplacer quelque chose qui se trouve dans notre string. Par exemple, si j'ai dit je vais remplacer Roger par, je mets tout juste comme ça, je vais remplacer Roger par sniff. Vous voyez bien là où ça c'est le Roger se trouve, vous voyez bien, nous avons les sniff banze mwamba. Maintenant, si nous avons un autre Roger ici et j'enregistre, vous allez voir comment est-ce que ça va se comporter. Nous avons sniff, premier rejet qui a été remplacé, mais notre deuxième rejet n'est pas remplacé. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas dans les nous ne cherchons pas d'une manière globale. Et pour faire ça, nous devons appliquer les règles expression. Et je mets par exemple ça, les règles expression, nous mettons ceci et nous mettons les G qui veut dire nous cherchons ces rejets ici d'une manière globale. Donc ça va parcourir toute la chaîne pour trouver la réponse. Nous avons OK, je dois effacer celui-ci. Et si j'enregistre ceci, je pars ici, je pars et vous voyez tous les rejets sont changés par sniff. Là c'est la méthode replace. On peut toutefois aussi utiliser la méthode substring
Cette méthode nous permet tout juste de soustraire un élément, soustraire les éléments dans notre objet. Je peux soustraire les éléments à partir de D jusqu'à 8. C'est tout, ça fonctionne de la même façon que slice, mais la différence en est que le substring n'accepte pas de valeurs négatives. Si je mets ici, ça va pas accepter. Donc c'est la différence entre slice and substring. Après ça, nous pouvons tout juste voir encore quoi. Les to uppercase and to uppercase and to lowercase. Ça nous permet tout juste à changer. Si je vais changer ce mot ici en quoi, en alphabet, je peux mettre par exemple to uppercase et je fais comme ça. Là directement ça va changer ce mot ici en to uppercase. Je crois on doit mettre une variable ici. Non, je crois ça va changer directement. Vous voyez bien que notre objet vient d'être changé à majuscule. Et pour changer à minuscule, on doit mettre tout lowercase. Tout lowercase. Le L ici doit être comme ça. Maintenant, si celui-ci était en majuscule, je peux mettre par exemple des mots majuscules ici. Je mets par exemple comme ça. Ça va tous les changer en minuscule. Et si je pars ici, vous voyez bien, ça a changé toute la phrase en minuscule. Là, c'est les deux fonctions qui nous permettent de faire ça. Et après ça, nous avons substring, tout ce que nous avons vu là. On peut encore faire quoi? Allons voir dans notre référence. Nous avons les string méthodes et nous avons aussi les string search pour chercher les choses dans les strings. Et pour chercher, je peux tout juste commencer par index. Par exemple, nous avons cette Roger Banzé sniff. Maintenant, si je pars ici pour chercher un élément que je trouve là-bas, je peux dire non.indexOf. Index, non, je mets tout juste en minuscule, index of, maintenant ici je dis index of Roger, je dis index of Roger, je fais comme ça, vous voyez l'index of Roger, c'est-à-dire ça cherche tout juste la position du mot Roger. Le mot Roger, ça se trouve tout juste à la position 0, c'est-à-dire ça commence à partir de 0, parce que nous comptons à partir de 0. Et si par exemple, je dis Banzé, l'index de Banzé. Et si j'enregistre ceci, et je fais OK, je fais comme ça. Nous avons un 6 comme valeur parce que ça commence 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est se trouve à l'index. Il y a aussi la méthode index last indexed. Last indexed permet tout juste de faire l'indexation à partir de la dernière mot. Et si je fais comme ça, nous avons 6. Presque la même chose avec. Mais à partir de ok, je peux faire par exemple pas, on peut mettre par exemple aussi sniff là, nous avons 13 last index de celui là ok, maintenant nous devons voir autre chose. Par exemple, nous pouvons faire chercher si celui-ci research. Cette méthode aussi permet de rechercher si quelque chose se retrouve là-bas. Research. Je crois que c'est research. Research. Je crois que c'est comme ça. Research. Bon, essayons d'abord research sniff. Est-ce que ça va donner?
Ça ne fonctionne pas. Je crois que j'ai mal écrit les mots research. Non, non, je crois que le A ici doit être au premier. Mettons d'abord A ici, research. Ça ne fait encore rien. Non, point research. Ou bien le research doit. Ok, research sniff. Ok, research. Research. Bon, peut-être j'ai oublié un peu comment est-ce qu'on écrit ces recherches ici. Vous devez aussi regarder. Je peux aller regarder, mais comme nous sommes tout juste loin, on peut continuer. Après les recherches, on peut mettre par exemple include. Include, cette fonction permet tout juste de tester si il y a un mot qui est à l'intérieur de notre string objet. Par exemple, si j'ai dit Roger, ça va renvoyer vrai si cet objet est à l'intérieur. Si je pars ici, il y a tout juste un petit problème ici. Include. Include. Maintenant, faisons ça. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne renvoie pas la valeur? Include. Même alerte ne s'exécute pas. Alerte N, non Roger, include, non point include. Ok, allons tout juste voir un peu comment est-ce que ça fonctionne ici pour ne pas perdre le temps. String événement, string research, c'est où? Nous avons string last indexed, ok. Nous avons last index of where is this research local. Nous avons local, ok, match text match include, yeah, include, ça se trouve tout juste, ça a un S. J'ai oublié tout juste de mettre les S, c'est pourquoi ça a compliqué. Nous avons true parce que notre objet est tout juste inclus dans notre string. Notre objet est tout juste inclus dans notre string. Après ça, nous avons vu include. On peut mettre par exemple match. Et si match. Match permet tout juste de comparer si ce mot ici est tout juste correct avec celui-là. Si c'est pas correct, ça va renvoyer faux. Roger, match. Pourquoi si ça renvoie encore match, Roger? Normalement, ça devait renvoyer faux. Si je mets par exemple comme ça. Ça renvoie nul. Pourquoi? Parce que le cas ici n'est tout juste pas dans notre objet. Or que si on met quelque chose qui se trouve à l'intérieur, ça renvoie cette chose qui veut dire tout juste la chose se retrouve à l'intérieur. Je crois que c'est ça. Ok, la chose se retrouve à l'intérieur. Si la chose ne se trouve pas à l'intérieur, ça va renvoyer nul, qui veut dire l'objet n'est pas à l'intérieur. Et nous allons voir autre chose là. C'est quoi? Nous avons, après les syntaxes, nous avons, on se trouve de quel niveau là? Là, c'était les search options. Là, nous avons les string templates. C'est quoi les string templates? Si nous sommes par exemple ici et que nous faisons ça. Nous avons Roger Banzé sniff. Par exemple, si je suis ici et que je mets ça. Et que oui, je mets par exemple encore ici à l'intérieur comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner si je fais comme ça. Vous voyez bien que notre code ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur, c'est encore parce que nous ne devons pas tout juste encadrer. Un autre quoi guillemets là
à l'intérieur. Si nous voulons faire ça, nous devons tout juste faire ça. Mettre par exemple à l'extérieur comme ça. Et à l'intérieur, là, on peut maintenant mettre ces deux points. Là, ça va passer. Ou bien, si vous utilisez à l'intérieur et à l'extérieur les deux points, maintenant à l'intérieur, il y a quoi encore là? Admettons, mettons d'abord ça. Normalement, ça devait passer. Ici, je pars ici. Non, pour remédier tout juste à ces problèmes ici, je crois que nous allons utiliser le backslash pour dire tout juste non. Monsieur, tu vas faire semblant de ce caractère. Ici, nous allons ici, essayons encore. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Allons tout juste dans notre référence erreur. N is not defined. Where is N? Oh, je sais pourquoi est-ce que ça ne passe pas. Parce que j'ai effacé une variable qui référençait pour faire sortir le N. Et là, je dois mettre tout juste un nom. C'est pourquoi ça a compliqué. Et retournons ce qu'on faisait là. Et je fais ça. Vous voyez que nous avons cette guillemet qui se trouve à l'intérieur parce que nous avons utilisé les simple ou les single guillemets là. Maintenant à l'intérieur nous avons ça. Et pour tout juste faire que cela utilise aussi un point à l'intérieur ici pour que ça ne puisse pas provoquer un problème, nous devons mettre tout juste les slash comme ça. Et si je pars de ce côté ici, je pars ici. J'ai fait comme ça. Vous voyez bien, nous avons ce petit point à l'intérieur pour dire tout juste à l'interpréteur, tu ne dois pas s'occuper avec celui-ci. Mais si vous ne mettez pas les slash là, ça va faire que le programme ne puisse pas fonctionner. Après ça, nous pouvons mettre par exemple les N. Le N veut dire tout juste, cet mot ici doit être à la ligne ou new line en anglais. Et si je fais comme ça, vous voyez bien, le mot sniff vient en bas. Et si nous mettons par exemple le T, qui est l'établissement, là ça va espacer, je crois, notre mot. Vous voyez bien, ça a espacé notre mot. Et si nous mettons par exemple le B, qui est quoi? Je crois, j'ai oublié, le B c'était quoi? Ça va... je crois les B ou les T, tabulation, j'ai mis les new lines, j'ai mis. Ok, il y a un peu certaines fonctionnalités à mettre là. Il y a plusieurs plusieurs choses à mettre là pour manipuler cela. Nous devons les voir tout juste dans les tutos qui vont venir. Après ça, je peux tout juste vous faire voir encore ça. Et si nous voulons tout juste que notre... Je vais utiliser quelque chose ici. Où est-ce que je peux le trouver sur l'écran? Ce point-là, je crois que je peux le trouver quelque part ici. Non, ce n'est pas ça. Ok, non, ce n'est pas ça. Je peux le trouver ici. Ok, ça se trouve ici. Ok, celui-ci. Celui-ci est tout juste utilisé si nous voulons faire que tout ce que nous allons mettre à l'intérieur ici puisse être écrit à l'écran de la même façon que nous les mettons dans les codes. Là, nous pouvons utiliser celui-là. Vous voyez bien, ça s'écrit tout juste dans les codes de la même façon que nous l'avons affecté dans les variables. Utilisez tout juste cela. Il y a aussi encore quoi? Par exemple, si nous avons ça. Et que, ok, effaçons tout juste ça. Nous avons par exemple ça, nous avons par exemple l'alerte ici et que nous voulons mettre directement des mots à l'intérieur ici. Par exemple si je suis ici et que nous avons une variable ici qui s'appelle par exemple variable name et que nous mettons par exemple comme ça et nous faisons ça. À l'intérieur, non, je peux mettre comme ça parce que c'est le numéro. Je mets NIM 666, non, un mauvais nom.
un mauvais numéro. Je mets par exemple ceci. Et à l'intérieur ici, je peux mettre par exemple, non, je peux mettre électrique à l'intérieur ici. Et que je veux que ceci puisse être toujours aussi concaténé à ça. Nous utilisons les signes dollar. Maintenant, les dollars ici, je mets tout juste comme ça. À l'intérieur ici, je mets, je crois ça. Après, nous prenons les nîmes ici, nous les mettons à l'intérieur, nous disons nîmes. Après, nous mettons ça. Est-ce que c'est ça? Je crois, non, non, je mets ça, oui, pour avoir toujours cette valeur pour les concaténer à ce que je viens d'écrire là. J'ai un peu de doute avec ça. Essayons voir. Ça renvoie encore l'énigme. Et qu'est-ce qui a fait, qui a provoqué ça? Je crois que j'ai un peu mis quelque part où j'ai mal écrit certaines choses. Et si je viens ici, je fais comme ça, est-ce que ça va faire quoi? Ok, admettons, mettons ça. Faisons ça. Il y a tout juste encore un autre problème. Cette méthode ici ne fonctionne pas. Je ne sais pas si ça dépend tout juste des navigateurs ou bien c'est moi qui a fait l'erreur. Je dois aussi regarder comment cette méthode fonctionne. Pour continuer, je parle, là c'était dans string recherche, là c'était string template, donc c'était notre dernière chose à voir pour aller au number. Aujourd'hui nous ne voyons pas les number, c'était où est cette syntaxe là. Je crois, ok, ça se trouve ici, dollar, header, dollar, et j'ai mal, parce que je devais mettre, pas de la façon dont je devais mettre alerte, et je mets par exemple ça, et je mets ces trucs ici, pour mettre les contenus à l'intérieur, pour mettre encore dollar, et mettre comme ça. Oui, vous voyez déjà ça vient de changer. Et si je mets comme ça, je crois que ça va passer. Et si j'enregistre ceci, oh, je dois mettre aussi finir comme ça, je crois que ça va être concaténé. Si je pars ici, oh, ça ne renvoie rien. Pourquoi? Là c'est alerte, variable, nîmes à l'intérieur, tout ça. Ok, là nous venons de terminer les tutos avec un failure, avec l'échec. Ok, si ça vous a un peu ajouté quelque chose sur ce que vous avez, votre abonnement et votre commentaire me fera du bienvenu et l'utilisation de mon application me fera plaisir. Si je vois un bonjour, ça augmente encore la motivation. Là, je vais revenir et résoudre ces problèmes parce que c'est la même façon que j'ai aussi codé, mais je ne sais pas comment, pourquoi ça ne fonctionne pas. First name, là c'est first name là-bas, je mets une virgule là. Maintenant, qu'est-ce qui a causé comme problème? Là, je mets ça et je mets, bon, normalement ça devait passer. Ok, là ça n'a pas passé, on verra ça plus tard. Merci à toute personne qui est arrivée à la fin. Je vous prie de vous abonner. À la prochaine. Là nous allons voir à la prochaine les numbers et comment est-ce qu'on peut manipuler les numbers.